suffisant d'ailleurs pour pouvoir remporter. C'est un verre, la flûte, qui est utilisée, règle générale, par des gens qui aiment la musique de France. Tu sais, ils vont écouter du Mozart là, en s'amusant avec le flûte, tu sais, là. Ils sont enchantés de ça, tu sais. Mais notez qu'ils gardent toujours leur verre luisant. moi, ces personnes se qualifient elles-mêmes de fine gueule. Mais en autant que moi, je suis concerné, j'ai un mot du bec pincé, là, tu sais, des poules, tu sais, des petits pieds de poule. Le deuxième verre qui est de loin mon verre préféré, c'est celui-ci, c'est le ballon. Le ballon, comme son nom l'indique, est un verre confortable. Et c'est de loin mon préféré. L'avantage du ballon, c'est qu'avec une certaine adresse, vous pouvez arriver à le faire chanter. Mais s'il ne chante pas, c'est pas grave, vous chantez vous autres-mêmes. Tu sais, vous pouvez chanter soit les noces de Figaro ou ballon en venant de Rigaud. Dépendant si vous êtes cultivé ou ballon de Sainte-Dorothée. Bon, je m'en souviens. Alors, en parlant de ça, j'aurais une anecdote à vous raconter. Moi, j'étais en voyage, avec ma femme. Pendant une minute, j'étais en voyage, moi, ben, j'étais avec ma femme. Là. Ouais, comme j'étais en promenade avec ma tante moitié, quand je suis au cas, elle me dit comme ça, elle brûle pour moi. Elle dit, sais-tu, depuis le temps, quand tu travailles dans la région de Montréal, tu parles toujours de Sainte-Dorothée. L'autre jour, j'ai décidé de la voir, ça. J'ai dit, puis, comment tu peux trouver ça? Elle dit, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, comme ça, t'as rien vu? Elle dit, non. Elle dit, t'as vu Sainte-Dorothée. Puis ce que tu es tordant, c'est qu'après, elle dit, sais-tu, j'ai trouvé ça beau. Pour dire, ma femme, elle vient de Saint-Léonard. Hein. Mais c'est sûr que quand tu viens de Saint-Léonard, tu trouves ça beau, Sainte-Dorothée. Maintenant, l'autre troisième sorte de verre qui s'appelle celui-ci, le tout usage, qui sert à bien des choses, surtout que ça remonte dans la sauce aux mains. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Mais il peut servir également en tant que ventoux. Il va donc faire des trous dans les bains. Mais en fait, ça va avoir besoin de faire des gros bains parce que ça fait des grands trous. Mais c'est commode si vous avez des invités avec des grands gueules. Bonjour. J'aimerais maintenant vous faire la démonstration du dernier cri de la Société des alcools du Québec avant qu'elle s'en retourne dans l'entreprise privée. On ne sait pas trop quel phénomène, mais lorsque quelqu'un a assez consommé, elle ne sert plus. Je vous dis, j'envoie donc, on va en prendre un petit dernier. Non. Elle m'a traché les clés de l'auto. Non. Alors que si quelqu'un est en état de consommer, elle va le servir avec plaisir. Mais quand quelqu'un n'a assez plus, ça fait une petite bonne. Maintenant, un dernier peu. S'il vous plaît. Une dernière question, avant que je tombe. Est-ce que les vins se marient? Le mélange. Est-ce que les vins se mélangent? Oui. C'est quand tu dis oui, vous pouvez vous applaudir aux autres mains, vous oui. Mais il faut être prudent. Vous pouvez facilement brasser du château Margaux au manoir Saint-David et finir dans le clos des mouches. Mais il faut éviter de prendre le pisse-dru pour l'arroser dans vous. Comme il ne faut pas prendre non plus le curé de Chambly pour la cuvée de Chablis, pour vous allez venir dans le cave aux moines avec une bouteille de château neuf du pape en chantant une colombe patiente. Et si jamais vous avez une réception à laquelle assistera beaucoup plus de gens que vous ne l'attendiez, n'hésitez pas à mettre en application la règle fondamentale de multiplication des pains impliqués au vin. Ça n'aura comme résultat que quand vous vous dites « Qu'est-ce que tu demandes là? » Tu dirais pas « Ben ouais, alors, si t'en prends une, prends-en donc une vraie. Une qui est moins bourrative au goût. » Alors, comme tout bon Québécois, tu diras « Tendiac, là, beau halak! »